Eh bien, salut à tous les potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble le pass de combat de la saison 6 du chapitre 2. Avant tout les gars, n'oubliez pas de lâcher un maximum de pouces bleus si vous êtes hypé pour la saison 6. Pensez également à vous abonner, il manque seulement 2 personnes avant d'atteindre les 326 000. Merci infiniment à tous ceux qui s'abonneront, je compte sur vous les potes. Et enfin pour terminer, les gars, avant d'acheter le pass de combat, merci d'ajouter le code créateur CHOU dans la boutique, ça permet vraiment de soutenir la chaîne. Merci encore une fois à tous ceux qui soutiennent. Code créateur CHOU dans la boutique, on est directement parti pour découvrir le pass de combat. Ok les gars, on est directement parti. Comme vous le voyez, le premier skin, c'est l'agent Genesi. Je vous en avais déjà parlé dans la plupart de mes vidéos, ça avait fuité, donc voilà. Le premier skin, ce sera l'agent Genesi. Ok, stylé. Là, on peut apercevoir des V-Bucks, un écran de chargement. On voit l'agent Genesi. On voit pas mal de choses, pas mal d'informations. Également, la nouvelle map. Ok. Une émoticône Genesi. On voit qu'il est vraiment au centre du pass de combat. Ok, cette emote, c'est sûr que je vais l'utiliser après avoir fait des éliminations. J'aime beaucoup. Là, on retrouve une musique pour le salon qui s'appelle Après Zéro. Ça va, elle est plutôt sympa. Ensuite, là, les potes, on retrouve un écran de chargement. L'agent Genesi, cette image avait fuité hier, donc c'est pas une nouveauté, on la connaissait déjà. Voici un accessoire de dos avec des fléchettes. Ouais, c'est une émoticône de Lara Croft. Oh les gars, c'est incroyable. Ok, là, 100 V-Bucks en plus pour le palier 12. Là, on retrouve un spray. Ok, du coup, les gars, on va avoir le skin de Lara Croft. Je m'y attendais pas du tout. Ok, plutôt cool. Oh, l'accessoire de dos, il était magnifique. Oh, magnifique, les gars, ce skin. Oh là là. Ouais, j'en suis sûr qu'on va avoir une variante avec les graphismes de PS2. Je sais pas pourquoi, mais je le sens bien. D'accord. Une petite pioche. Une pioche double. Ça va, j'aime bien. Là, on peut retrouver une traînée. Une emote. Oh, j'aime bien. Ok, pas mal. Ça va, c'est pas mal. Là, on retrouve 100 V-Bucks au palier 19. Un nouveau planeur. Ok, associé au skin de Lara Croft. Une icône de bannière. Oh! Oh, j'aime bien. Une nouvelle variante. Ça va, plutôt pas mal le camouflage. Avec des petites couleurs arc-en-ciel. Qu'est-ce que c'est que ça? Il faut bien faire attention au spray, les gars, parce que parfois, ça révèle pas mal d'informations, que ce soit sur les secrets du jeu ou alors sur des futurs skins. Oh, cette pioche, elle est magnifique. Oh là là, ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. 10 sur 10, direct. Encore 100 V-Bucks au palier 27. Au palier 29, on retrouve un autre skin qui s'appelle Tarana. D'accord. Là, on a un petit planeur. Plutôt stylé. On retrouve pas mal de... d'ossements, de squelettes, depuis tout à l'heure, depuis le début du pass de combat. Je pense que c'est un petit rapport avec le thème de la saison 6. Ok. Oh, voilà. Là, on voit les loups. Les loups qu'on va pouvoir consommer, les potes. Ok, encore des os. Oh, pas mal. J'aimais bien. Oh, magnifique ce skin. Oh là là. Les gars, faut savoir que je découvre le pass de combat en même temps que vous. Mais ce skin, oh là là, mais qu'est-ce qu'il est beau, les gars. Ah. Ça me fait penser un petit peu au cube. Mais bon, ça parle du point zéro. Mais regardez, on dirait les écritures du cube. D'accord. Bah écoutez, ça peut révéler pas mal de choses, ça. Oh. Là, on vient d'avoir un nouveau skin sur le spray. Ok, là on retrouve une nouvelle icône de bannière. Oh là là, les gars, le skin, il est trop beau. Il est trop beau. On dirait un personnage d'animé. D'accord, nouveau planeur. Encore avec des nouvelles écritures. On dirait un talisman. D'accord. J'aime bien. Oh, oh là, cette traînée, j'aime bien. Ok, là encore des variantes pour... pour l'accessoire de dos de l'agent Genesi, c'est quoi ce skin? Oh là là, ça j'aime bien ça. Ce genre de skin, les gars, pépite, j'adore.
Ok, palier 51, émoticône, encore des V-Bucks. Là, une emote. Stylé. Stylé, ça. Franchement, les gars, pour l'instant, le pass de combat, il fait un sans faute. J'aime trop. Ok, le nouveau skin poulet qui marche sur l'ancien. D'accord. Le planeur du skin poulet du palier 61. Ok, là les gars, on voit que la faille, en fait, plus on s'approche vers le palier 100, plus elle change de couleur. Il est marrant, lui. Il est cool, en vrai. J'aime bien. Il est un peu imposant, par contre. D'accord. Ok. Là, on retrouve des doubles pioches poulet. Ok, un œuf. Un petit œuf surprise. Un camouflage. Est-ce qu'il est animé? Ah non, on dirait pas. On dirait pas qu'il est animé. D'accord. Écoutez, bah en vrai, il est pas mal. Ensuite, on a 7 accessoires de dos. On dirait un œuf. Encore 100 V-Bucks. La variante du skin poulet. J'aime bien en mode slurp. Pourquoi pas? C'est sympa. Après, on a une nouvelle musique pour le salon. On retrouve un nouveau spray. Un planeur. Oh, planeur galaxy, les gars. Oh my god, ça va trop bien aller avec mon skin galaxy. Je kiffe ça. Ok, encore 100 V-Bucks. Une emoticône. D'accord. Oh, camouflage 0.0. Oh, mais les gars, c'est magnifique. Ça, c'est tellement beau. Ok, ça, j'adore. Ça, j'adore. Ça, c'est un 10 sur 10, ce camouflage. Ok, le 0.0 qui est totalement rouge. C'est quoi comme skin? Nouveau skin à Raven. Oh, oh là là, mais les gars, mais c'est quoi ces skins? Ah ouais, ça. Ça, je pense pour l'instant, c'est mon skin préféré. Là, on a vu sa variante. Oh non, mais les gars, cette pioche. On dirait une pioche galaxie. On dirait les 1000 oiseaux de Sasuke avec Amaterasu dessus. C'est bon, maintenant je fais des références à des mangas. Là, on est. C'est n'importe quoi. Oh là là, les gars, ce skin. Ok, une icône de bannière. C'est cool. Oh, mais non, mais c'est bon, stop. Les gars, de toute façon, moi, parlez-moi de Galaxy et c'est bon, je kiffe. C'est. Aïe. Aïe, c'est bon. On a des références à des super pouvoirs. Ok, encore 100 V-Bucks. Montrez-moi la variante. Oh là là, mais les gars. Ce skin. Ok, ok, on enchaîne directement sur un nouveau camouflage. Ok, il est animé. Ça, j'aime bien les camouflages animés. Oh, là, on peut apercevoir le nouveau centre de la map. Oh, putain, c'est stylé, hein. Ok. Faut savoir, à l'heure où je vous parle, on est encore en maintenance. Oh! Les ailes du papillon d'un des événements du chapitre 1. Ok. Émoticône banane, d'accord. Encore un petit spray des V-Bucks. Montrez-moi la pioche. Ah non, c'est un accessoire de dos. Ok. J'aime bien. En fait, c'est celui de tout à l'heure. D'accord. Oh! Oh, jolie cette pioche. Ça, j'aime bien. Ça me fait penser au Seigneur des Anneaux, je sais pas pourquoi, mais j'aime bien. Ok. Skin du palis. Oh là 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 là. Oh my god. Oh là là, mais c'est quoi ce skin, les gars? Il est magnifique. Il est trop beau. Il est incroyable. C'est quoi ça? C'est une emote. Oh! Voici la personne qui se cache derrière tout ça. Faut savoir que le skin secret de la saison, c'est Neymar, comme je vous l'avais annoncé. Ok. D'accord. Ok, en fait, je l'avais dit, les gars. Je l'avais dit tout à l'heure. Là, il faut savoir que je découvre en même temps que vous, j'avais dit, obligé, on va avoir une variante des graphismes de PS2. Ok, ok, ok. Variante pour Tarana. Une nouvelle variante pour le skin poulet. Probablement sa plus belle variante, j'aime bien. En mode guerre, style militaire un peu. Et enfin, pour terminer, le dernier skin. J'aime beaucoup. Magnifique le pass de combat.